The following program is brought to you by Christian International Outreach. Bienvenue à l'émission des Christian International Outreach Ministries. Vous serez bénis par l'onction de Dieu à travers le message d'aujourd'hui. Welcome to Christian International Outreach Ministries, a house of prayer for all nations, where the love, the presence, and the power of God are real. Your life will be mightily blessed by the anointing of God flowing through the following message. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis le pasteur Pakou avec mon fils Ephraim au studio comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Welcome to our weekly radio program. I'm Ephraim Pakou here as usual in the studio with my father. God bless. Cher ami, qu'est-ce que Dieu fait lorsque ses enfants se retrouvent dans des situations désespérées? Restez à l'écoute et le message d'aujourd'hui nous ouvrira une petite fenêtre de cette réalité dans la vie de Daniel. Dear friends, what does God really do when his children are in desperate situation? Stay tuned, and in today's message, we have a small glimpse of that in Daniel's life. Open your Bible today with me. Ouvrez vos Bibles ce jour avec moi. We're going to read one scripture first in Esther chapter number 4. Nous allons lire une écriture dans Esther chapitre 4. Verse number 15 and 16. Esther chapitre 4, versets 15 et 16. Today we start our 3 weeks fasting and prayer. Aujourd'hui nous commençons notre 21 jours de jeûne et prière. And we will learn a little bit about fasting and prayer today. Et nous allons apprendre un peu à propos du jeûne et prière en ce jour. Then we will pray. Et puis nous allons prier. Open our hearts to the Lord. Ouvrir nos cœurs au Seigneur. And speak to him today. Et nous allons lui parler en ce jour. Amen. Amen. First point I want to ask to see, what is fasting? Le premier point que j'aimerais que nous puissions voir est qu'est-ce qu'est le jeûne? When we talk about fasting and prayer, what is that? Lorsqu'on parle du jeûne et de la prière, de quoi voulons-nous parler? There are many places in the Bible where we see people fasting and praying. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où nous voyons des gens jeûner et prier. But the verse that we read is very simple and clear. Mais le verset que nous avons lu est simple et clair. We see Esther. Nous voyons ici la reine Esther telling people gather together, disant aux gens qui se sont réunis ensemble. She tells them, et leur dit, do not drink, do not eat, ne mangez pas et ne buvez pas, for 3 days and 3 nights, pendant 3 jours et 3 nuits, and pray, et priez. And also she said, I will do the same. Et elle a aussi dit, je ferai de même, with my maids, avec mes servantes. So, in simple, simplement, fasting, jeûner, is when people decide, c'est lorsque les gens décident, for a period of time, pour une période de temps, can be one day, ça peut être un jour, can be two, ça peut être deux, can be three, like Esther, ça peut être trois comme la reine Esther, can be 1 week, ça peut être une semaine, can be two. Ça peut être deux. Can be three, like we're gonna do. Ça peut être 3 semaines comme nous allons le faire. Can be 40 days, like Jesus did. Ça peut être 40 jours comme Jésus l'a fait. For a length of time, pour une durée de temps, people decide, les gens décident, we decide, nous décidons, put food aside, de mettre la nourriture de côté, put the drinks aside, mettre la boisson de côté. In the case of Esther, dans le cas de la reine Esther, herself, elle-même, her family, sa famille, her people, were facing death. Peuple d'Esther faisait face à la mort. What she can attempt can also kill her. Ce qu'elle voulait essayer pouvait aussi la tuer. But she determined in her heart. Mais elle était déterminée dans son cœur. There is only one way out of this. Il n'y a qu'une voie de sortie dans cette situation. I have to gain favor. Je vais gagner la faveur. There is favor somewhere. Il y a la faveur quelque part. That can change the situation. Qui peut changer la situation. I have to go where favor is. Je dois aller là où se trouve cette faveur. By faith. Par la foi.
Amen. Amen. I have to believe. Je dois croire that there is at least a possibility. Qu'il y a au moins une possibilité. I'll get it. Je vais y arriver. Now she knew. Elle savait. In reality. En réalité. Favor comes from God. La faveur vient de Dieu. Amen. Amen. Even that king. Même ce roi. His heart is in the hand of God. Son cœur est entre les mains de Dieu. Only when I get favor with God first. Seulement si j'obtiens grâce ou faveur de la part de Dieu. Then I will meet favor with that king. C'est alors que j'aurai la faveur auprès de ce roi. Amen. Amen. That's why she said, "Let's fast." C'est pourquoi elle a dit, jeûnons. Let's pray. Et prions. Let's seek God's face. Et cherchons la face de Dieu. Amen. Amen. Beloved. Bien-aimé. There are many other situations where people fasted and prayed for many reasons. Beaucoup d'autres situations dans lesquelles les gens jeûnent et prient pour beaucoup de raisons. We see Jesus when he fasted for 40 days and 40 nights. Nous voyons Jésus lorsqu'il a jeûné pour 40 jours et 40 nuits. Was to start his public ministry. C'était pour commencer son ministère public. In Acts chapter number 13. Dans Actes chapitre 13. We see the church fasting. Nous voyons l'église jeûner. Because they wanted to send apostles to go preach and carry on the work of God. Parce qu'ils voulaient envoyer les apôtres pour prêcher et pour porter la parole de Dieu. So we have seen a couple places in the Bible where people fasted. Nous avons vu quelques endroits dans la Bible où les gens ont jeûné. For many reasons. Pour beaucoup de raisons. But the common reason is. Mais la raison commune est celle-ci. When people are facing a situation. Lorsque les gens font face à une situation. Where there is no way out. Où il n'y a pas d'issue de sortie. Where you need. Où vous avez besoin. To touch. De toucher. Grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. When it seems like you are facing a mountain. Lorsque cela semble que vous faites face à une montagne. Only the hand of God. Il n'y a que la main de Dieu. Can move that mountain for you. Qui peut déplacer cette montagne pour vous. When you are in a situation. Lorsque vous êtes dans une situation. Where you need the hand of God. Où vous avez besoin de la main de Dieu. Otherwise you perish. Sinon vous périssez. Then you take it seriously. Alors vous prenez cela au sérieux. To seek God's face. Pour chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Call upon him. Invoquer son nom. Either to establish. Soit pour établir. Or to re-establish. Ou pour rétablir. His will for your life. Sa volonté pour votre vie. Amen. Amen. Take this time of fasting and prayer seriously. Prenez ce temps de jeûne et prière au sérieux. And look at your life. Et regardez votre vie. Look at your family. Regardez votre famille. Look at your situation. Regardez votre situation. Amen. Amen. Anything. Toute chose. That only the hand of God can remove. Pour lequel il n'y a que la main de Dieu qui peut enlever. Anything. N'importe quelle chose. That is a real threat to you. Qui est une menace réelle pour vous. To your family. Pour votre famille. To your child. Pour votre enfant. Take it seriously. Prenez-le au sérieux. And fast. Et jeûnez. And pray. Et prier. With faith. Avec foi. Because when you seek God's face. Parce que lorsque vous cherchez la face de Dieu. In fasting and prayer. En jeûnant et priant. God can. Dieu peut. Either establish. Soit établir. Or re-establish. Ou rétablir. The will of God. Sa volonté. For your life. Pour votre vie. Amen. Amen. When you look at your life, lorsque vous regardez votre vie, do an honest assessment. Faites une évaluation honnête. This should not be there. Ça ne devrait pas être là. I shouldn't be living this way or behaving this way. No. Je ne devrais pas être en train de vivre de cette manière ou me comporter de cette manière. Non. This can no longer be acceptable in my life. Ça ne peut plus être acceptable dans ma vie. I don't care why it's there. Peu importe pourquoi ça se trouve là. There are some things that just came from our parents. Il y a des choses qui sont simplement venues de nos parents. We did nothing. Nous n'avons rien fait. We were just born somewhere. Nous sommes nés quelque part. And you don't know. Et vous ne savez pas. What happened before? Qu'est-ce qui est arrivé avant? Beloved, bien-aimé, if you are facing, si tu fais face a situation, à une situation, I said I do not care. J'ai dit, peu importe. It came from who?
Ça vient de qui? What was at the beginning? Ou quel était le commencement? But if you see your life today, mais si tu vois ta vie aujourd'hui, with things, avec des choses, situations, des situations that are not acceptable, qui ne sont pas acceptables, do not belong to your destiny, et qui n'appartiennent pas à ta destinée, then I call you, je t'appelle, to join us, pour nous joindre, in this fast, dans ce jeûne, and take it seriously, et prenez cela au sérieux. Fasting means, jeûner veut dire, come to God, viens auprès de Dieu, seek his face, cherche sa face, with all our heart, avec tout ton cœur, and ask for his grace, et demande la grâce, to remove, enlever, change, de changer, what is impossible, ce qui est impossible de changer, to establish, d'établir, and re-establish, et rétablir, the will of God for you, la volonté de Dieu pour toi, for your family, pour ta famille, for your future, pour ton avenir. Oh, let's give the Lord a clap offering. Acclamons le Seigneur très fort. Hallelujah. Hallelujah. Beloved, bien-aimé, when you call upon God, lorsque tu invoques le Seigneur, there are things God will do. Il y a des choses que Dieu va faire. And the last scripture we will read, et la dernière écriture que nous allons lire, will open just a window to see what God does. Va ouvrir seulement une fenêtre pour montrer ce que le Seigneur fait. When you face a situation, lorsque tu fais face à une situation, that is on the human viewpoint impossible. Dans lequel du point de vue humain, cela paraît impossible. And that has the potential to kill you. Et ça a la potentialité de te détruire. What will God do? Qu'est-ce que Dieu va faire? If you take it seriously, si tu le prends au sérieux, to seek his face, pour chercher sa face. Open your Bible with me. Ouvrez vos Bibles avec moi. In Daniel chapter number 6. Chapitre 6, pardon. And Daniel. Let's begin reading from verse number 10. Daniel chapitre 6, nous lirons au verset 10. Here we see an amazing story. Ici nous voyons une histoire très étonnante. People came together. Des gens sont venus ensemble. And they found a way to get Daniel. Et ils ont trouvé un moyen pour avoir Daniel. Went to the king. Ils sont partis auprès du roi. Made the king sign a decree. Le roi a signé un décret. In that country, dans ce pays, when the king signs a decree, lorsque le roi signe un décret, at the second he signs it, à l'instant où il le signe, you can never change it again. Vous ne pouvez plus jamais le changer. Even the king himself, même le roi lui-même, cannot reverse what he signed. Ne peut pas renverser ce qu'il a signé. So here we see Daniel. Ici nous voyons Daniel praying, priant, and then they find him, et on l'a trouvé. Bring him to the king. On l'a emmené auprès du roi. King, this man, roi, cet homme, is not abiding by the law. Ne se soumet pas à la loi. And the sentence was, et la sentence était celle-ci. They put you in a den of lions. On te met dans le puits de lion. That means death penalty. La pénalité de mort. Now Daniel is facing death. Alors Daniel faisait face à la mort. Even the king could not save him. Même le roi ne pouvait pas le sauver. The Bible says, la Bible déclare, in verse number 14, au verset 14, when the king heard this, he was in great distress. Lorsque le roi a entendu qu'il était dans une grande détresse, he was determined to rescue Daniel. Il était déterminé de sauver Daniel. Made all the effort possible until the evening. Il s'est efforcé jusqu'au soir. But to no avail. Mais il n'a rien pu faire. So even the king, même le roi, could not save Daniel. Ne pouvait pas sauver Daniel. No human being, aucun être humain, no army, aucune armée, no one could save him. Personne ne pouvait le sauver. His death penalty was signed. La sentence de mort était signée. Sealed. Scellé. And the place where we're gonna throw him is known. Et là où on devait le jeter, c'est un endroit bien connu. And prepared. Et préparé. For the enemy of Daniel, pour les ennemis de Daniel, it was a done deal. C'était une affaire conclue. I think they went home. Je crois qu'ils sont rentrés à la maison. And prepared the feast. Et ils ont préparé la fête. And they danced. Et ils ont dansé. They said, "Let's dance. That man is
dead. Il dit cet homme est mort de fils. As sure as we are alive, he is dead. Aussi vrai que nous sommes vivants, cet homme est mort. There will be no grave for him. Il n'y aura pas de tombe pour lui. Even his bones will be crushed by the lions. Même ses os seront écrasés par le lion. He is already dead. Il est mort, c'est fini. And we got him. Nous l'avons eu. We got the victory. Nous avons la victoire. You're listening to the radio program of Christian International Outreach Ministries. Come worship with us and experience the presence, the power, and the love of God. Thursdays, 7 p.m., Sundays, 10:15 a.m., at the Walter Reed Community Center, 2909 South 16th Street, Arlington, Virginia. To reach us, the email address is cioministries@gmail.com. That's cioministries@gmail.com. Or telephone 1-888-446-6522. Stay tuned. After the next segment, our senior pastor will be back for a special word and prayer. Christian International Outreach Ministries, the place to be. What is amazing? Ce qui est étonnant is that Daniel prayed. C'est que Daniel a prié. He did not wait for the trouble to see God's face. Il n'avait pas attendu qu'il ait des problèmes pour chercher la face de Dieu. He was a man who seek God's face every day. C'était un homme qui cherchait la face de Dieu. Every day, chaque jour, he lived by the decree, I need God's favor. Il vivait par le décret, il avait besoin de la faveur de Dieu. I need God's favor. J'ai besoin de la faveur de And Dieu. He always wanted to be in God's presence. Et il voulait toujours être dans la présence de Dieu. I need God's favor. Dans la faveur de Dieu. Beloved, bien-aimé, when the king saw that even he cannot save Daniel, lorsque le roi a vu que même lui ne pouvait pas sauver Daniel, he probably said, il a probablement dit, it is impossible. C'est impossible. Everyone obeyed. Tout le monde obéit. Everyone is afraid. Tout le monde a peur. Our law is unchangeable. Notre loi est inchangeable. Irreversible. Irréversible. Even I cannot change it. Même moi, je ne peux pas changer cela. How come that man is not afraid of that law? Comment se fait-il que cet homme n'a pas peur de cette loi? There is only one answer. Il n'y a qu'une seule réponse. His God. Son Dieu. His God. Son Dieu. Must be above our law. Doit être au-dessus de notre loi. His God. Son Dieu. Must be above any situation. Doit être au-dessus de n'importe quelle situation. His God. Son Dieu. Must be the only one who can save him. Doit être le seul qui soit capable à le sauver. I don't know how they talk to that God. Je ne sais pas comment on parle à ce Dieu. Or probably he asked, I don't know. Peut-être qu'il a demandé, je ne sais pas. You know, the king in Nineveh just decided, okay, I'm going to do what the Jews do. I put my sackcloth, we fast and we pray, we go and talk to that God. Vous savez, le roi à Nineveh, il s'est dit qu'on va faire seulement ce que les Juifs faisaient. Je vais jeûner, je vais enlever ma robe, ma tunique royale et mettre le sac et parler à ce Dieu. This king never prayed before. Ce roi n'a jamais prié avant. Never cared about God. Il ne s'est jamais occupé des choses de Dieu. He accepted that people will pray to him, not to a God. Il acceptait que les gens puissent prier à lui. All of a sudden, tout soudainement, he decided, il a décidé, I'm gonna fast. Je vais jeûner. I'm going to fast. Je vais jeûner. I'm going to fast. Je vais jeûner. There must be a God. Il doit avoir un Dieu. Amen. Amen. When he saw Daniel for the last time, lorsqu'il a vu Daniel pour la dernière fois, verse number 16, au verset 16, he said, Daniel, il a dit, Daniel, may your God, puisse ton Dieu, whom you serve, que tu sers, rescue you, avec persévérance te délivre. That shows me, cela me montre, he chose to believe in God, qu'il a choisi de croire en Dieu, in Daniel's God, au Dieu de Daniel, that God, que ce Dieu-là, is the only one, est le seul, who can rescue Daniel, qui peut secourir Daniel. How do you talk to that God? I don't know. Comment est-ce que vous parlez à ce Dieu? Je ne sais pas. What do you do? Maybe you fast. I Qu'est-ce fast. Qu'est-ce que vous faites? Même au jeûner, je vais jeûner. All night long. Toute
toute la nuit. Fasting. Jeûnant. Maybe talking. Where are you, Daniel's God? Où es-tu, Dieu de Daniel? Save the man. Sauve-le. I cannot help him. Je ne peux pas l'aider. I love that man. J'aime cet homme. He's the best of my counselors. Il est le meilleur de mes conseillers. I cannot afford to lose him. Je ne peux pas faire face à le perdre. I cannot save him either. Je ne peux pas le sauver non plus. Where are you? Où es-tu? I know you exist somewhere. Je sais que tu existes quelque part. Because I see it in that man. Parce que je l'ai vu dans cet homme. Early in the morning. Et tôt le matin, he comes. Il est venu. That man believed. Cet homme a cru. He fasted. Il a jeûné. With faith. Avec foi. I don't know what he said to God all night long. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Dieu toute la nuit. But I see his faith. Mais je vois sa foi. Because he was the first one to come back. Parce qu'il était le premier à revenir. And he's asking. Et il demande. Daniel. 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 Look in your Bible, verse number 19. Regardez dans votre Bible, dans verset 19. He adds, servant of the living God. Serviteur du Dieu vivant. Servant of the living God. Serviteur du Dieu vivant. You don't talk to someone if you think they are dead. Vous ne parlez pas à des gens si vous ne pensez pas qu'ils sont là. That man believed in that miracle. Cet homme croyait en ce miracle. He was the first one to go see his Il miracle. Était le premier à aller voir son miracle. He says, Il dit, Daniel. Daniel. Servant of the living God. Serviteur du Dieu vivant. As your God. Ton Dieu. Whom you serve continually. Que tu sers avec persévérance. Being able to rescue you from the lion. A-t-il pu te délivrer des lions? Did he do it? A-t-il fait cela? Did he do it? A-t-il fait cela? The next few seconds his heart is beating fast. Je crois en quelques secondes son cœur battait rapidement. Oh God, don't let me down, God. Oh mon Dieu, aide-moi maintenant. I know you exist. Je sais que tu existes. I want to hear that voice. Je veux écouter cette voix. I know you did it. Je sais que tu But l'as I want fait. To hear Daniel Mais je veux tell écouter me that you did it. Daniel me parler. Did he do it? Est-ce qu'il a fait did cela? Did he do it? A-t-il fait did cela? Did he do it? A-t-il fait cela? Daniel said, "Oh, King." Daniel a dit, oh, roi. Oh man, at that point the king is jumping. Je crois que le roi s'est réjoui. He did it. Il a dit, il he a did fait. It. Il a he fait. Did it. Il l'a fait. Hallelujah. Hallelujah. I don't know. Je ne sais pas. If the king heard the whole sentence. Si le roi a eu le temps d'écouter toute la phrase. He said he's alive. Il a dit qu'il est vivant. Now. Maintenant. Those guys they have to die. Tous ces gens là qui t'ont cherché they du mal. Have to die. Doivent périr. Today. Aujourd'hui. You get out. Sort. They get in. Ils vont entrer. Oh, let's give the Lord a clap. Hallelujah. Hallelujah. Beloved. Bien-aimé. I don't know. Je ne sais pas. I don't think God saved Daniel because the king fasted. I don't think so. I don't Je ne crois pas que Dieu a sauvé Daniel parce que le roi a jeûné. But because the king fasted. Mais à cause du fait que le roi a jeûné. God allowed him. Dieu l'a permis to see de voir what God does ce que Dieu fait when his children are seeking his face. Lorsque ses enfants cherchent sa face. In desperate situations. Dans une situation désespéré. God allowed him Dieu l'a permis to see de voir that God que Dieu has the power a le pouvoir to lock the mouth of the lions. De fermer la gueule des lions. Hallelujah. Hallelujah. He said that God is a God of miracles. Il a dit ce Dieu-là est un Dieu de miracles. I have seen it. J'ai vu cela. J'ai vu cela. Hallelujah. 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 That God, ce Dieu-là, is the God who is able, est le Dieu qui est capable, to remove the threats, d'enlever les menaces, completely, complètement. That God, ce Dieu-là, is the God, est le Dieu, who is able to send His angels, qui est capable d'envoyer ses anges, guard His children, pour garder ses enfants, when they are threatened, lorsqu'ils sont menacés. Hallelujah. 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 Beloved, bien-aimé, what are you facing today? Qu'est-ce que tu à quoi tu fais face aujourd'hui? What is your family facing today? Qu'est-ce que ta famille fait face aujourd'hui? Humanly speaking, humainement parlant, it is impossible. C'est impossible. It is true.
C'est vrai. But we have a God. Mais nous avons un Dieu. We have a God. Nous avons un Dieu. I urge you. Je vous encourage. To seek His face. De chercher sa face. Amen. Amen. He said, "If my people." Il a dit, si mon peuple. Humble themselves. S'humilie. Repent. Se repent. Ask for forgiveness. Et demande le pardon. They call upon me. Et il invoque mon nom. He said, "I will heal." Il a dit, je vais écouter. I will hear. Je vais écouter. I will heal. Je vais guérir. I will deliver. Je vais délivrer. Beloved. Bien-aimé. The hand of God. La main de Dieu. The hand of God. La main de Dieu. The hand of God. La main de Dieu. Can reverse. Peut renverser. Any situation. N'importe quelle situation. If we enter in this fast. Nous entrons dans ce jeûne. By faith. Par la foi. Humbling ourselves. Nous humilions nous-mêmes. Believing in God. Croyant en Dieu. What he did for Daniel. Ce qu'il a fait pour Daniel. He'll do for you. Il va le faire pour toi. He'll do for your sister. Il va le faire pour ta sœur. He'll do for your child. Il va le faire pour ton enfant. He'll do for me. Il va le faire pour moi. Amen. Amen. Cher ami, Dieu connaît ta situation et il a le pouvoir d'éliminer toutes les menaces de ta vie. Parle-lui aujourd'hui. Dear friend, God knows your situation and He has the power to eliminate all threats against your life. Talk to Him today. Merci de prier pour ce ministère, d'envoyer une contribution pour gagner les âmes, prendre soin des orphelins et venir en aide aux enfants à risque. Si vous habitez notre milieu, venez nous visiter dimanche à 10h15. Si vous êtes loin, téléphonez, envoyez un email, suivez-nous sur Facebook et Twitter. Chaque matin, joignez-nous au téléphone à 5h Eastern Time. Composez les 641-715-3300. 641-715-3300. Code d'accès 983-761-10. 983-761-10. Aussi, n'oubliez pas, visitez notre partenaire sur le web enseignemoi.com. Jusqu'à la prochaine fois, notre Église, mes collaborateurs, mon épouse et moi-même, nous vous aimons et vous gardons dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Beloved, thank you for praying for this ministry and for sending in a financial contribution to help save souls, care for orphans, and rescue at-risk children. If you live in the area, come visit us. Our services start Sunday at 10:15 a.m. If you are far, you can call, write, send an email, like us on Facebook, or follow us on Twitter. You can also join us every morning at 5 a.m. Eastern Time for prayer. To join us, the number is 641-715-3300. Access code 983-761-pound. Also remember, visit our partners at ensemble.com. Until next time, we love you and we are praying for you. Merci d'avoir suivi notre émission de ce matin. Je sais que vous avez été bénis. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email en composant le numéro qui vous sera donné en anglais. Que Dieu vous bénisse. Thank you for listening. If you're visiting or live in the Washington, D.C. area, come worship with us. Thursdays at 7 p.m., Sundays 11:15 a.m. at the Walter Reed Community Center, 2909 South 16th Street, Arlington, Virginia, 22204. For prayer requests or a copy of this message, call 1-888-446-6522. That's 1-888-446-6522. Or email us at cioministries@gmail.com. Christian International Outreach Ministries, the place to be.